ici, on est en plein dans la spiritualité. Pour ce qu'il vient de dire là, c'est valable autant à l'étranger qu'ici. Donc, il s'agit d'une symbolique, la représentation de l'ancêtre qu'on veut solliciter. Donc, comme il est difficile d'égorger les animaux et tout ça là, même les questions de fétiches, tout est symbole dans notre spiritualité. Donc, si vous voulez invoquer vos ancêtres, vous allez au marché ou bien voir les forgerons et acheter une statuette. Par exemple, quand vous allez à l'artisanat, il y a des statuettes qui ressemblent à un vieil homme. Bon, cette statuette-là, vous achetez, vous faites poudre un boubou, et puis, vous êtes en train de, pour sanctifier la statuette, vous agenouillez devant la statuette et vous adressez à la statuette comme si vous parliez à votre propre grand-père ou à votre ancêtre. Et vous lui dites, mon grand-père à moi, moi un tel, à partir d'aujourd'hui, ta représentation est dans cette statuette-là. Chaque fois que j'ai un vœu, chaque fois que j'ai un souci, je viendrai m'adresser à toi pour que tu m'aides à intercéder auprès du Créateur afin de résoudre ce souci-là. Et il dit que cette représentation-là, ça fonctionne parce qu'il a donné la recette à des gens qui sont en Europe et ils ont donné des feedbacks très positifs. La même chose, l'ancêtre du côté féminin, si vous voulez invoquer votre grand-mère, l'ancêtre du côté féminin, vous achetez une statuette qui ressemble à une femme, qui a des seins. Vous l'habillez. Vous pouvez poser la statuette à côté de la statuette qui représente le grand-père. Et la même chose pour sanctifier, vous agenouillez devant et vous dites, toi, ma grand-maman, toi, grand-mère, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es ma grand-mère représentée ici. Chaque fois que j'ai des soucis, je viendrai m'adresser à toi. Et puis, effectivement, tu t'adresses à la statuette comme si tu voyais ta grand-mère devant toi. Et tu dis tes soucis. Quand même le souci est résolu, tu viens encore t'agenouiller. Ah, grand-père, grand-mère, moi j'ai demandé tel ou tel truc. Et